centaine de passagers a décollé de Papeete vers Hawaï sur Delta Airlines cet après-midi. Des Américains, des Australiens, des Canadiens, des Mexicains, des Français et des Allemands. Un vol affrété par l'Église mormone est gratuit pour tout le monde. À bord des touristes venus en voilier pour participer à la course autour du monde Arc et à la balade des plaisanciers dans le Pacifique baptisée Puddle Jump. Un joli geste de solidarité pour permettre aux touristes de rentrer chez eux, selon Christopher Cozy, le consul des États-Unis en Polynésie française, qui explique que les passagers ne seront pas confinés à leur arrivée chez eux aux États-Unis, ou à peine, il répond à Christian Dezou. Arrivés aux États-Unis en transit, tant qu'ils n'arrivent pas à la destination finale, ils ne seront pas confinés, mais ils seront bien sûr invités à rester dans un hôtel et se protéger et éviter de contaminer quelqu'un si jamais ils ont quelque chose lors de leur passage, ce qui est assez minime. Mais arrivés à la maison, ils vont sûrement être exposés à un confinement à l'américaine, c'est-à-dire un peu moins rigide, mais quand même invités à rester à la maison.